Bonjour les CP, alors aujourd'hui c'est vendredi 5 mars et comme tous les vendredis c'est le jour de la dictée pour tous les CP. Et oui, comme chaque vendredi, encore un petit effort, c'est le dernier jour de classe de la semaine. Les deux prochains jours, samedi et dimanche, sont les jours du week-end, des jours où tu peux te reposer, jouer et bien sûr, alors encore un petit effort pour cette dernière journée de travail de la semaine. Alors, aujourd'hui, dans la dictée, nous allons revoir, vous allez devoir écrire des mots contenant les sons que nous avons vus ces derniers jours et ces dernières semaines, notamment le son E que l'on peut écrire avec, bien sûr, le ER, mais aussi le son E qu'on peut écrire avec un accent et aussi le son E qu'on peut écrire avec le E et l'accent, qu'on peut écrire EI, qu'on peut écrire AI ou qu'on peut écrire ET. Vous voyez de nombreuses façons différentes d'écrire ces sons et de nombreuses possibilités de se tromper. Alors bien sûr, ce n'est pas grave si on se trompe, on a le droit de faire des erreurs et c'est justement en faisant des erreurs que l'on apprend justement. On apprend en se trompant et tout le monde, les enfants, les adultes, tout le monde, dès qu'on apprend quelque chose, on se trompe. Et c'est en comprenant ses erreurs, donc en regardant la correction, que l'on comprend ses erreurs et que l'on ne les refait pas une deuxième fois. Ou alors qu'on en refait beaucoup moins. Et c'est un processus, c'est normal, c'est comme ça, c'est une démarche. On se trompe et de plus en plus, on apprend et on se trompe de moins en moins. Alors aujourd'hui, donc, il y a aussi ces mots en et en est, et bien sûr aussi les mots outils comme les mots aujourd'hui, les mots toujours, les mots il y a, bien sûr, qui sont des mots outils qu'on a vus ces dernières semaines, alors qui sont parfois difficiles à écrire, mais qu'il faut savoir écrire, car comme tout mot outil, ce sont des mots que tu vas découvrir et que tu vas trouver souvent dans les textes, et qu'il faut savoir absolument lire et écrire. Alors bien sûr, cette dictée, tu vas l'écrire proprement, en t'appliquant aussi sur l'écriture, pas simplement la façon d'écrire les mots, mais aussi la façon de former les lettres, car c'est aussi un travail d'écriture, en respectant bien sûr l'espace de ta feuille quand tu vas écrire, en sautant des lignes si possible, et bien sûr en écrivant sur les lignes et en respectant la taille des lettres. Je vous lis cette dictée. Alors bien sûr, si vous avez besoin d'écouter plusieurs fois la vidéo, n'hésitez pas. De mettre sur pause pour avoir le temps d'écrire, n'hésitez pas aussi. Et bien sûr, écoutez bien pour voir les sons que je prononce et les sons que vous allez écrire. Alors voici, je lis déjà la dictée et ensuite nous l'écrirons ensemble. Aujourd'hui, virgule, dans la forêt, virgule, la reine achète des graines et une autruche. Elle est bizarre, cette reine. Aujourd'hui, dans la forêt, la reine achète des graines et une autruche. Point. Deuxième phrase. Dans le panier du boucher, il y a toujours son bonnet et son tablier. Point. Ha ha. Allez, c'est parti. On se concentre, on s'applique et la dictée ne va pas durer très longtemps. C'est parti. Attention, voilà. Aujourd'hui, virgule, c'est un mot-outil qui est composé de deux parties. On n'écrit pas une seule partie, il est composé de deux parties. Aujourd'hui, virgule, dans la forêt, aujourd'hui, virgule, dans la forêt, virgule, la reine achète aujourd'hui, virgule, dans la forêt, virgule, la reine
achète des graines. Alors rappelez-vous, quand il y a plusieurs choses, on met un S à la fin. Donc s'il y a plusieurs graines, n'hésitez pas à rajouter cette petite lettre. Aujourd'hui, virgule, dans la forêt, virgule, la reine achète des graines et une autruche. Point. Vous allez me dire, c'est bizarre d'aller dans la forêt acheter des graines et une autruche. Oui, mais c'est juste pour la dictée. C'est bien sûr des phrases qui ne sont pas forcément toujours plausibles. Qui peuvent des situations qui ne sont pas forcément faciles à trouver. Aujourd'hui, virgule, dans la forêt, virgule, la reine achète des graines et une autruche. Point. Je relis une dernière fois cette première phrase. Aujourd'hui, virgule, dans la forêt, virgule, la reine achète des graines et une autruche. Point. Deuxième phrase. Dans le panier. Dans le panier du boucher. Alors, il y a beaucoup de mots qu'on a écrits déjà dans le fichier de Taoki. Par exemple, le mot reine, vous l'aviez écrit, le mot autruche, il y était. Le mot panier, le mot boucher, on l'a vu déjà. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de mots qu'on va retrouver comme le mot tablier un peu plus loin. Dans le panier du boucher, virgule, il y a, vous connaissez ce mot outil en trois parties, il y a toujours, toujours est un mot outil que l'on a découvert aussi dans Taoki. Et toujours s'écrit toujours de la même façon. Dans le panier du boucher, il y a toujours son bonnet et son tablier. Même chose pour le mot bonnet et le mot tablier, vous l'avez lu, vous l'avez écrit. Vous les avez lus, vous les avez écrits. Point. Dans le panier du boucher, virgule, il y a toujours son bonnet et son tablier. Aujourd'hui, dans la forêt, la reine achète des graines et une autruche. Point. Dans le panier du boucher, virgule, il y a toujours son bonnet et son tablier. Point. Voici donc les deux phrases de la dictée de ce vendredi. Alors elles sont un peu difficiles, mais je sais que vous allez y arriver car vous avez l'habitude et vous travaillez en général très très bien. Aujourd'hui, dans la forêt, la chaîne aujourd'hui, dans la forêt, la reine achète des graines et une autruche. Dans le panier du boucher, il y a toujours son bonnet et son tablier. Point. Alors, je vous conseille, les CP, de relire ce que vous avez écrit, car en relisant aussi parfois, nous découvrons qu'on a oublié des mots ou qu'on a mal écrit certains sons. Donc, pensez à relire une ou deux fois ce que vous avez écrit, de réécouter aussi la vidéo.
Et bien sûr, on se retrouvera ensemble la semaine prochaine pour corriger cette dictée. Alors, je vous souhaite une bonne dictée, je vous souhaite un bon travail et un bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec Taoki, de nouveaux sons. Et bien sûr, une nouvelle dictée la semaine prochaine, vendredi prochain. Ciao, ciao, et surtout, ne lâchez rien!